Salut les gars, les filles, je vais vous donner des petites idées très simples, très basiques pour faire avec des enfants, avec de la pâte à modeler maison, avec de la pâte à sel. Et bon, c'est pour la fête des mères, de pères, de n'importe quelle occasion. Même les tout petits pourront le faire. Vous voyez, même les tout petits bébés. J'ai utilisé de la pâte à modeler maison, de la pâte à sel. Des anneaux pour porte-clés, des capsules de café écrasées, des petites tenailles, un clou, du fil de cuir noir, du fil de couleur, une fourchette en plastique, des petites pierres colorées en différentes couleurs, des pinceaux, de la gouache, du vernis acrylique, des ciseaux et une bande d'aimants. Tout d'abord, j'ai pris la petite tenaille et j'ai fait des petits sancoches comme ça autour de la capsule pour lui donner une autre allure. Hein, donc je fais ça dans plusieurs capsules. Ça, si vous faites avec des enfants, bah, s'ils sont grands, ils peuvent le faire. Sinon, bah, c'est vous qui le faites. Hein. Je donne surtout des idées, je vous ai dit, très simples, très faciles. Surtout pour les gens qui travaillent avec des enfants et qui ont besoin d'idées pour faire des choses rapides et faciles. Voilà, donc ça se fait la pâte à sel colorée. Donc ben, un carré, une boule, un carré, on aplatit un carré. Après j'ai mis une capsule. Et après j'ai décoré avec des petites pierres. Mais bon ben vous, si vous avez des perles ou n'importe quelle décoration, ben, ils peuvent mettre, voilà, incruster n'importe quelle décoration, ou alors le faire sécher et après dessiner avec un feutre permanent ou écrire. Après, voilà, une autre idée, porte-clés. Un anneau, un petit bout de cordon, on le met comme ça, une boule de pâte à sel colorée aussi. Voilà, on fait le fil, on le met à l'intérieur de la boule, voilà, on écrase bien partout, on fait une espèce de boule, hein. Les capsules, une de chaque côté, on aplatit, voilà, et après ils peuvent décorer quand c'est sec, pareil, sur le côté, au milieu, ils peuvent décorer comme ils veulent. Je vous dis, c'est des idées très simples, là, c'est pour faire avec des enfants, hein, des petits. Après, une autre idée, voilà, et ça se fait la pâte à modeler maison. Hein. Vous aurez les liens à la fin de la vidéo pour faire la pâte à modeler maison ou la pâte à sel pour ceux qui ne savent pas comment faire. Avec une fourchette, voilà, on fait là les trois petits trous de la capsule. Vous verrez après, ça ressemblait vraiment à une petite tête de soleil. Donc, je lui ai fait des petits points, vous verrez après à la fin, pour que ça fasse une petite tête. Voilà, donc ça c'est de la pâte à modeler maison, là aussi. Dans ce modèle aussi, mais là, si c'est des tout petits, il faudrait que vous fassiez des trous, sinon les grands ils peuvent le faire avec un clou. Voilà, vous faites un trou. Là, je sors un peu de la caméra, mais avec les pouces, voilà, on appuie, ça fait comme un petit chapeau. Donc, et là, j'ai mis pareil du fil. Là, j'ai pris du fil coloré. On le met dans l'anneau, les deux bouts à l'intérieur de la capsule, voilà, de l'extérieur vers l'intérieur. J'ai mis la boule de pâte à modeler maison. À l'intérieur, j'ai mis le fil, voilà, au milieu. Après, bon, voilà, moi j'ai aplati, mais après ils peuvent le laisser en boule, faire voilà la forme qu'ils veulent. Hein. Après, je vous dis, c'est des idées des bases. Après, vous développez avec les enfants. Hein. Ils développent. Voilà. Donc les deux petits bouts, je les ai mis voilà, cette fois-ci de l'intérieur à l'extérieur. Voilà. J'ai mis une petite perle argentée. Voilà, un petit nœud, et voilà, le tour est joué. Ça fait un autre modèle de porte-clés. Après, une fois que c'est sec, c'est pareil, ils peuvent écrire autour, bonne fête papa, bonne fête maman, ce qu'ils veulent. Voilà, là, les tout petits, comme je vous disais, voilà, même les bébés, ils peuvent participer. Voilà, c'est avec son petit doigt, j'ai pris le petit doigt et j'ai fait les rayons du soleil. Ou alors l'empreinte de la main, ou, voilà, après on le peint, on vernit bien. On laisse sécher, bien sûr. On vernit bien, très bien, deux ou trois couches. On prend après un morceau d'aimant. Vous coupez la longueur que, voilà, selon votre magnette. Hein. Si vous voyez que ça se colle pas très bien, vous mettez un point de colle. Et voilà, le tour est joué. Vous avez des petites idées que j'espère qu'elles vont vous servir. Là, c'est la différence entre la pâte à sel et la pâte à modeler maison. Hein. C'est pas tout à fait la même texture. Bon, ben voilà, ben, j'espère que cela vous sert. Et que ça vous a plu, et je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt!